Yo tout le monde, heureux de faire cette vidéo sur la petite Valentine là que bah, j'ai pu récupérer aujourd'hui, donc dimanche. Je fais la vidéo très rapidement parce que en no stuff, je vais vous faire montrer en parallèle quand j'explique. Donc en no stuff là il y en a un qui a pas de skin et comme j'ai pas trop de skin sur le perso, en vrai ça m'arrange de ouf. En gros là les skins ne sont pas comptés. Donc moi je peux faire la vidéo très rapidement vu que demain ça bouge. Ouais demain, non je joue les samedis pardon, j'ai dit dimanche, je sais pas pourquoi. Donc demain dimanche 16h ça va être plus là. J'ai profité pour faire la vidéo, présenter le perso. C'est vraiment, ce perso est très très intéressant. Hein. Vraiment, la Valentine, c'est vraiment un très très bon perso en soi. Hein. Genre, vraiment, les gars, intéressant d'ouf le perso. Hein. D'ailleurs, je suis en train de lui faire un stuff. Faut que je farme le niveau des enclumes pour, bah, pour avoir des enclumes, tout simplement. Donc là, attaque, rescrit. Donc là, je vais mettre full rescrit au niveau de la défense. Bon, les items, faut que je les mette à fond, limite, peut-être ici, en vrai. On va essayer de faire un bon stuff, en vrai je pense que je vais l'AER hein, parce que c'est un très très bon perso les gars. Hein. Comme j'ai dit, c'est ouais c'est vraiment un gros perso, hein, genre vraiment sans troll c'est vraiment un très bon perso. Donc voilà, alors le skill 1 c'est un skill AOE, donc lésion. Le skill 1 c'est exactement le même skill que l'AOE de Sariel, que l'AOE de Sariel pardon. Donc bah comme vous le savez je pense, skill un peu pété quand même, hein, on va pas se cacher, AOE chance crit x3 ça fait mal. Hein. Donc la nouvelle mécanique du jeu, pour moi, c'est le meilleur skill du jeu. En soi, là, pour l'instant, c'est que sur Valentine, mais... Par exemple, tu mets ça sur un fest, en AOE, je te dis, le perso, ce sera le meilleur perso du jeu, tout simplement. Donc en gros, ça fait quoi? Donc bon, c'est dégâts mono-cible, et ça désactive, donc au level 1 et level 2, c'est pendant un tour, et level 3, c'est pendant deux tours, ça désactive les effets de cartes, et ça désactive aussi les effets sur les ultis. C'est pas trop pété, hein, ça va. Hein, genre, clairement, c'est totalement craqué. J'ai donné plein d'exemples. Par exemple, ça coupe quoi? Tu bloques Elisabeth. Donc, tu mets ce skill de level 1. Pendant un tour, elle peut pas mettre son shield. Genre, elle va mettre le shield, mais il va pas se mettre. Elle pourra pas te stun. Elle pourra pas stun toute ta team. Quand elle va mettre son ulti, il y aura pas le renvoi de dégâts. En gros, tout ce qui est effet, genre bonus, ça va pas se mettre. Ou debuff, tu vois. Elle pourra pas les mettre. Pareil pour Gozer. Tu mets sur Gozer. Il pourra pas rank up, il pourra pas te mettre, excusez-moi, le debuff en AOE qui enlève les jauges d'ulti. Sa spé va pas enlever de jauges d'ulti. Donc totalement craqué. Hein. Okay. Et par exemple, chose à savoir, si j'ai pas dit, ça désactive les effets de skill. Donc là, j'ai parlé des bonus, etc. Donc ça désactive aussi les bonus de skill, par exemple, perforation, lésion, je sais pas, charge, etc. Enfin, clairement, les gars, je vous dis, ce skill... Le mec qui a fait ce skill, mon pote, je sais pas, il y avait quoi dans sa tête, hein, genre vraiment, il y avait peut-être un problème, hein, je sais pas, je me demande, mais... Cool les gars, on va jouer avec cette team, on va jouer avec la team drôle, Gozerverse, Eldris, bon, une team classique pour les showcase pour moi. Donc en sub, on va dire le meilleur sub pour la Valentine, c'est Lilia, elle donne 24,6% de rescrit, donc du coup, bah, pour le passif. D'ailleurs, j'ai obligé de parler du passif, donc le passif, c'est quoi? C'est... elle augmente sa pénétration et ses dommages crit de 50% de sa rescrit. D'où le stuff rescrit, etc. Donc voilà, donc c'est team, comme j'ai dit, bon, team classique. Et je vous dis un truc sur Valentine, j'ai peut-être oublié. Ah oui, il y en a qui vont dire pourquoi t'as pas mis Guile. J'ai testé avec Guile et que Guile ça marche pas, ça permet pas de booster son passif. En gros, son passif, il se met avant le passif de Guile. Enfin, c'est un truc bizarre, donc. Enfin, en gros, le passif de Guile ne marche pas tout simplement, tu vois, on va dire. Donc les gars, on va faire des matchs. J'ai fait quelques matchs en off. Clairement, c'est incroyable, hein, les gars, je vous dis. J'ai fight un Meodas assaut. Le mec, je l'ai détruit. Hein, j'ai désactivé... j'ai mis l'effet de désactivation sur le droll. Bah, il pouvait pas provoke, il pouvait pas me stun. Bah, c'était incroyable. Bon, ok. Je sais pas si c'est un bot. Hein. Meodas AM, là, donc du coup, nice. Ok. Oh, bonne main. Intéressant cette main, ouais, je trouve. Mais je vais faire. Ok, c'est pas un bot. Hein. Faut quand même faire ça. En vrai, j'ai. Bon, il y a le petit Merlin en sub. Vous savez quoi? Je vais faire comme le play de double up, pardon. Il va être vraiment intéressant. Merde, j'aurais pas dû mettre cette carte, je suis con. Je voulais mettre celle-ci, my bad. J'ai misclick. Bon, pas grave. J'ai vraiment misclick, hein. Je voulais cliquer là, je voulais faire ça et. En vrai, j'ai peut-être perdu sur ça, hein, les gars, je vous dis. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de perdre sur ça, là. Ou pas, en fait. Ok, intéressant. Ok, elle me diminue les HP avec Melos Cooler, ok. Why not?
Donc là, ok, l'aspect. L'aspect, ouais. 4-6. 2-6. 1-6. Bon, il va pas faire beaucoup de dégâts du coup. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. En vrai, on va faire ça. En vrai, je dois préparer ma spé en vrai, je pense. Hein. Le meilleur à faire là, je pense. Après, j'ai un petit plan en tête en vrai. Faire ça. C'est le meilleur plan à faire en vrai. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Faut pas ma spé avec Gozer. Hein. Comme ça, après, je fais ça, ça, ça. Et normalement, ça devrait tuer dans la logique. J'ai bien dans la logique. Normalement, elle fait pas beaucoup de dégâts. Combien de dégâts? Oh, 31 000. Il sait pas faire plus de dégâts. Hein. Donc là, du coup, j'ai une idée de play. On va faire ça, regardez, les gars. Donc là, je vais faire la spé. Hop. Je vais faire ça. Et là, je vais bloquer le Mélodas pour pas que son skill d'amplification marche. Parce qu'il y aura beaucoup de boost. Et son skill rupture. Donc là, il y aura rien, en fait, hein, tout simplement. Donc, let's go. Son drôle, normalement, il va mourir, hein, tranquille. Hein. Ok, drôle, bon, il est mort. Voilà, tout pip Blade Blade, gros. Pff. Ok. Ça, le perso, il est pas trop fort, hein, ça va. Hein. Ok, nice. Bon, alors, il n'y a plus de menace. Hein. Clairement, la grosse menace, c'était Meodas AM. Là, clairement, bon, en fait, il n'y a rien. Hein, genre. Juste, là, ça va être chiant. C'est-à-dire, s'il met la provocation, s'il l'a, je pourrais pas lui enlever. Twist, tu stun avec le revive de Melaskula, il partira le truc. Donc j'espère qu'il n'y a pas la provo. S'il y a la provo, en vrai, c'est bon. Bon, il a quitté, ok. Les gars, vous avez vu les dégâts? J'ai même pas vu en vrai les dégâts de Valentine. J'étais. Je sais pas, ça... j'ai vu 60 000 au début, à la fin de l'animation, peut-être 200 000, je crois. Hein. Je sais pas, on va aller voir. On va 200 000. 180 000, ok. Ok, perso. Perso pas équilibré, hein, ça va. Mais je vous dis, les gars, cette Valentine, elle est vraiment intéressante, hein. Clairement, un jour, il y a des trucs à faire avec cette team. Hein. Avec Valentine et cette team que je joue, en vrai, il y a peut-être moyen de faire des petits trucs. Hein. Lui, cette team, elle est vraiment forte hein, pour Valentine et tout. Moi, clairement, cette team, je trouve c'est la team showcase. Hein. Genre, t'as pas lu deux etc. Tu joues cette team. T'as le taunt. Enfin, clairement, drôle bleu, les gars, je vous dis. Je pense que c'est l'unité la plus sous-estimée du jeu. Hein. Genre, vraiment, actuellement, je fais que de jouer en ce moment. C'est incroyable, ce perso. Comme je disais, t'as le taunt de drôle, donc je peux pas te faire pétrif, etc. Enfin, c'est incroyable. En plus, il se booste. T'as la pétri. T'as le passif qui permet de booster tous tes alliés. Ok, encore un Meodas AM. Et ça, en vrai, c'est intéressant. Bon, il y a le passif de Gloxinia, ça, c'est chiant. Le passif de Gloxinia, c'est ennuyant. Le commandement de Gloxinia, pardon. Ok, c'est un bot. Ouais, ça, si c'est un bot, tant mieux, en vrai. Tant mieux, comme ça on pourra s'amuser un peu. Et pourquoi j'ai beaucoup de vie, hein, genre vraiment. Pourquoi c'est full contre-type pour moi, c'est bon délire tout ça. Hein. Moi je prépare ma spé. Hein. Juste à préparer ma spé de drôle et limite c'est easy win. Hein. Ah j'avais oublié le cleanse de Glox. Son clean c'est ennuyant en vrai. Ok, là il s'est debuff ce con. Bon, c'est un bot de toute façon. Ok. Bon, on va juste à faire le play de bout de ma spé et c'est tout. Hein. Hop. Voilà, hein. Rien de ouf en tout cas. Petite spé qui va faire très très mal par contre. Ça, je peux vous le garantir, les BG. Ok, bon, fais ce que tu veux, fais tes bails, frérot. Kamishiri. Ok, bon, le mieux d'ASAM, gros, c'est un toutou, mon pote. Hein. Et du coup, là, ça va faire très mal pour les à côté. Hein. Je vous dis, les gars, ça va faire très très mal. Hein. En vrai, il va jamais me tuer. Hein. Là, je vais faire ça pour bloquer le mieux d'ASAM. Là, le drôle, il va faire très très mal. C'est moi qui one shot d'ailleurs. Ok. Ok. Ça va, drôle. Combien de dégâts? Level 2, 80 000. Donc là, hop, on bloque le Meodas AM, il va rien faire. Hop, bon toutou, reste dans la cage. Regardez les dégâts, les gars, vous allez voir. Hein. Là, il est full boost, hein. Vous dites, il est full boost. Bon, je vais peut-être me faire one shot là. Hein. En vrai, non. Bon, j'ai 3 debuffs, du coup, il y aura. Je crois que c'est 20% de dégâts en plus sur l'aspect de Gloxinia par debuff sur la cible.
Ok, bon, ça fait quand même mal. Regardez, les gars. Pff, MDR. Je suis mort. C'est quoi, ça? Oui. Aïe, aïe, aïe. Allez, go le troller un peu, le bot, là. Je suis mort, gros, j'ai bloqué le Meodasam, il fait plus rien. Bon, j'ai déjà un versant en vrai, my bad. Bon, oui, il y aura un peu le buff, de toute façon, vu qu'il sonne, donc ça va bien, en fait, je suis un peu con. Ok. Oh là là, comment je suis mort, le Meodas, gros. Il était full, tout le full bonus, pardon. Oh, je suis mort, gros, ça me fume. Ah là, il a tapé du 6000, sans drôle. Avantage type. C'est quoi ça encore? Bon, c'est à quoi les gars, on va faire son rôle? Je vais garder mon web, je vais le garder. Oh, 27000 de dégâts! Web, ça aussi. Et what the fuck? Mais vraiment, Valentine, c'est vraiment un très bon perso, les gars. Hein. Elle m'étonne de plus en plus. Hein. Plus je la joue, plus je suis en mode ouais. Ok, patience. Ça va, Zeldris? Fais voir tes stats, là, parce que Zeldris, tu fais un peu pitcher, quand même, hein. Ok, bon, regardez, les gars, les dégâts de drôle, hein. Regardez, hein. Y'a combien d'attaques? Bon, j'ai SP6, hein. Regardez, les gars, la puissance de drôle bleu, hein, genre. Vraiment, ce perso est incroyablement cheaté, hein, genre, vraiment, les gars. Voilà, 80 000. En AOE, hein, je souligne, quand même. Donc, voilà. Bon, là, on a pas vu l'AOE de une nouvelle 3 de Valentine. Mais par contre, le skill qui bloque les effets bah, de cartes, il est incroyablement pété. Hein, genre, comme je vous dis, les gars, c'est vraiment un skill que tu mets sur un fest. Il y a moyen de faire des dingueries, genre vraiment. Incroyable. Pour dernière game, les gars. En vrai, j'aimerais bien fight une Ellie Escanor The One, même peut-être un vrai mec. Peut-être à la limite, ouais, un vrai mec et peut-être perdre, ouais, ça serait cool. Mais c'est comme fort, en vrai, quand tu ne escotes, tu peux gagner contre un vrai mec. Si t'as de la chance, tu commences en premier. Normalement, ouais, tu peux gagner, en fait, tu vois, il faut juste de la chance sur les cartes. Du coup, ok, bon, la team méta Sariel, un vrai mec ou pas? Peut-être un bot, en vrai. Ok. Là, on va faire un play qui m'intéresse. Je vais stun le Sariel, parce que le Sariel, il est ennuyant. En fait, comme j'ai deux verres dans ma team, il y a moi qui me tue assez facilement, quand même. Les gars, je peux vous le cacher. Les gars, je vais vous montrer avec ce skill. Après, je vais bloquer Sariel. Oh, hop. Oh, ok, les gars. Il y a moyen de faire des dingueries, là. Aïe, 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 aïe. On va juste bloquer Sariel pour montrer dans la vidéo. Si j'ai pas fait ce play, on va dire... En temps normal. Bon, les dégâts, gros, c'est minable, on voit ce canon. Le drôle, il tank bien, le bâtard. Hein. Donc, du coup, on va faire ça. On va up notre petite. On va bloquer ça pour, en gros, c'est son skill en AE lésion. Ça va pas marcher. Et le truc en single target, là, coup puissant, comme j'ai traduit sur le site, ne va pas marcher. Je vais stun Escanor. Hop. Ouais, 20 000 quand même, les gars. Hein. C'est contre-type, hein. Hop. Ok. Oh les gars. Oh putain. Oh là là. Téléportation soon. Ah le best exemple. Allez lésion, fais voir. Regarde les dégâts. Regardez les gars, ça marche pas. Hein. Regardez. Vous avez vu les gars? Il crit pas. Mais c'est incroyablement pété ce skill en fait. Hop, go balayer le terrain. Allez les gars. C'est parti, c'est maintenant. Attention, j'ai peur. Hein. Ok. Ça va, c'est... Ouais, ça va. Tranquille. Je m'amuse. Ok. Ok, pourquoi pas. Hein. Sacré délire quand même. Hein. Et... Bon là, ça va marcher le skill. Ouais, il m'a mis tarif le baron. Hein. En vrai, je vais mettre mon drôle. Je vais faire ça. Wilson. En vrai, il y a peut-être moins que je le tue. Hein. Du coup, il y aura le revive d'Eli. Ça va être chiant.
En haut ton cul. Allez, mais il met pas de trucs chiants. Oh! Oh yes, nice. Allez, Ellie. Prends pas la tête, Ellie. Ellie, Ellie, attention. Ok. Et du coup, en vrai, on va pouvoir s'amuser, je pense. Hein. C'est quoi, on va quand même faire ça? Bon, ça, après, on va tester la single target. Ou l'aspect avec un shield. Enfin, sur un perso. Fais voir. Oui, on va prendre cher. 82k, ok. Il y a peut-être moins de tuyaux en fait. Hein. Fais voir les dégâts. Il y a deux mecs là. 80 000. Level 2. Pff, ouais, ok, d'accord. Bon, bref. Les gars, je vais arrêter cette vidéo ici parce que là, de ce que je viens de voir, en vrai, ce perso il est quand même très très fort. Hein. Je crois que ça part sur un stuffer, les gars. Hein, genre. Bon bref les gars, j'arrête cette vidéo ici parce que j'en ai trop vu là, c'est un très bon perso en fait, genre. Bon bref les gars, très très bon perso, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars, je suis encore choqué un peu, un tout petit peu quand même, enfin bref, bon, n'hésitez pas à liker les gars, vous abonner, sur ce les gars je vous laisse, tchuss, bonne soirée, bonne app, tchuss.